j'y vais beaucoup trop frontal. Attendre. Ah, je crois que je me suis pris. Je crois que je me suis pris une bombe là. Enfin, là, le truc qu'ils envoient, je sais pas. Ok, j'ai plus de. Aïe. Ok, j'ai nouveau de la stamina. Faire gaffe au chien, apparemment il l'empoisonne, j'imagine. Je sais plus ce que c'est. J'ai pas vu l'icône, j'ai cru que c'était vert. Ah, j'ai les jambes qui boillent. Oh, c'est peut-être de l'huile ou un truc comme ça, là, qui lance. Oh. Est-ce que c'est... C'était pas de cette couleur, là. On est... Ah oui, j'ai un truc en plus, là. J'ai une texture dessus, là. Ouais. Est-ce que y a un truc du genre, tu vas dans l'eau, ça enlève l'huile, tout ça. Ou pas du tout. Ouais, ça enlève. Ça enlève. Pardon. Du coup, il faudra faire attention à l'état de notre pantalon, si je peux me permettre. Je sais pas vraiment à quoi leur sert l'huile, mais j'ai pas vraiment envie d'être sous une altération d'état qu'ils me donnent. Généralement, l'huile, dans les jeux, ça sert à... Oh la vache! Je prends cher en vrai. Je prends quand même vachement cher. Ouais. Je suis pas spécialement résistant. Malgré tous mes équipements et tout ça. Ouais. L'huile, généralement, c'est du genre, ça permet de mettre le feu, quoi. Donc, ça m'étonnerait pas qu'une fois que... Alors déjà, il y a lui qui envoie des flèches de feu. Et là, ça m'étonnerait pas qu'une fois que t'es sous huile, il t'envoie plus d'huile, mais il t'envoie des bombes. Ça m'étonnerait pas. Alors ça, c'est le meilleur lancer du monde. Bien joué. Franchement, pas mal. Ok. Brassard des Varteg. Varteg, ça doit être cette espèce de peuple spécial. Alors, lui, il va pas venir, je pense. Qu'il s'en aille, alors. J'ai perdu mes âmes par ici. J'y vais beaucoup trop frontal. J'y vais beaucoup trop frontal. Je pensais avoir réussi à bloquer le premier coup et je comptais profiter du recul pour lui mettre une patate. Mais vu qu'ils sont deux, ça devient beaucoup plus compliqué d'un coup. Oh, pourquoi j'ai tourné le dos à ce moment-là? Pourquoi, au grand, pourquoi? Ok, le chien s'est fait. Oui, et après il lance des trucs en feu, tout ça. En mode pas content. Ok. Ouh, très bien. Alors, on va commencer par aller là. Un coup de bol, hein. J'ai eu un coup de bol. De pas m'être pris les coups pendant que j'étais à court
court de stamina. L'armure des Varegs, on lira ça plus tard. On sera un peu plus tranquille. Ok. Hop. J'ai l'impression que le son est décalé. Après, c'est peut-être pas mes bruits de pas à moi. Âge de bandit, capuche des brigands, cache de tout le set des brigands, on verra ça plus tard aussi. Oula. Wow, je sais pas d'où il sort lui. Je sais pas d'où il sort, mais j'ai eu beaucoup de chance. Toujours beaucoup de chance. Oups. Ok, bon, ça supporte mes coups faibles d'épée, donc ça va. Poudre de réparation, fragment de titanite. Je pense qu'il y en a un deuxième. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, c'est un cul-de-sac. Peut-être que ça s'ouvre de l'autre côté, je ne sais pas. D'habitude, c'est marqué quand ça s'ouvre de l'autre côté, par contre. Bah du coup, il n'y a rien ici. Non? Si, peut-être. Ah, je peux aller là, probablement. Hop. Ok, c'est les gens à l'intérieur. Torche nécessaire droit devant. D'accord. Attends, on va s'occuper de lui. Non, viens de battre, viens de battre. Vous avez pas peur de la lumière, vous, arrêtez. Arrêtez de faire genre. Sinon, je sors les kunai. Parce que vous êtes quand même un million de fois trop nombreux. Ok, ça va peut-être déclencher la haine d'un des mecs. Oh, bah, t'as tué mon chien. Ouais, voilà. Hop. On va aller à l'intérieur comme ça, en mode bourrin. Voilà. C'est un assassinat. Là, on peut pas monter. Ok. Ici, on a deux mecs. Attention, parce que du coup, j'imagine qu'on va pouvoir prendre masse. J'ai pris des dégâts pour rien là. Qu'on doit prendre masse de dégâts. Si on est huilé, si je puis dire. Et qu'on se prend une de leurs fléchettes en feu après. Autant éviter cette combinaison meurtrière. Il est droit devant. Alors attendez. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Je pense que je suis déjà venu de ce côté-là parce que je suis allé. Quand je suis parti de l'autre côté là-bas. Il me semble, hein. Y a rien. Ok. Ok, ok, ok. Et donc là, ça me permet de revenir ici. J'ai le chemin là et j'ai toujours le chemin là-bas. J'aurais peut-être dû prendre avant d'ailleurs. Maintenant que j'y pense. Ou pas. Parce que, attendez, le chemin je ne sais même là-bas, c'est pas quand t'es là. Je sais pas, parce que là, j'ai l'impression de faire beaucoup de chemin, quand même. Ah là là, il y a les horribles créatures. Allumez la torche. Allumons la torche. Voilà, et donc j'ai 15 minutes de torche, mais je peux pas me protéger quand j'ai la torche, bien entendu. Enfin, je peux prendre mon bouclier, j'imagine, mais... Oula, 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 il y a du monde. On va se dépêcher, du coup. Parce que j'ai pas accès à mon truc. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Là, il y a rien. Hein. On est nouveau dans la lumière, là. C'est bon.
Oh bon sang. Je pense qu'on peut les combattre en mode oh j'ai peur, tout ça, et du coup on en profite pour se battre contre eux. Mais bon sang de bois. Ok, là ça prend fin donc on monte ici. Mais bon sang, ils étaient trois quoi. Je m'attendais à en voir un, pas trois. Wow. Un, pas trois quoi. En mode bon bah très bien, en ce cas je cours. Ok, mais du coup maintenant je comprends comment fonctionne la torche. Je comprends pourquoi on peut pas l'équiper. Ok, bah maintenant bon, on sait comment ça fonctionne. Pour sûr en tout cas. Y a un trésor ici, mais on va d'abord activer le levier parce que je sais pas si on peut pas revenir. Vision de fantôme, oh mon dieu. Je sais pas si on peut revenir une fois qu'on a activé le truc. Enfin, je veux dire, une fois qu'on arrive là, parce que je vois pas d'échelle ou quoi pour revenir. Wow! Hey! Ah oui, quand même. C'était après, mais c'est grave stylé quand même, en mode. On a un bateau fantôme qu'on a fait venir. Genre, tout va bien. Ok. Ah, et d'accord, en prenant le ponton là, on peut aller à l'intérieur. D'accord. Bah, on ira à l'intérieur du bateau fantôme. Je pense qu'on fera le chemin en bas là, même si j'aime pas le chemin dans les ombres, mais. On fera le chemin qui était en bas là, qu'on n'a pas pris, dans les ombres. Il y a peut-être des trésors, des trucs comme ça. Et. Ou alors peut-être que c'est le bateau pirate qui est spécial, mais on a fait quand même beaucoup de choses pour pouvoir faire venir ce bateau pirate, donc ça m'étonnerait que ce soit juste un chemin secondaire. Monteur droit devant. Mort. Ah, par ici. C'est dans ces moments-là, je suis content d'avoir l'anneau du chat. Qui me permet de ne pas mourir trop vite. Des dégâts de chute, enfin de ne pas subir trop de dégâts de chute. Tac, et là c'est le chemin. Non, c'est encore plus bas, je crois. Je sais pas exactement. Là, il y a le village. C'est ici en bas qu'il y a le chemin que je voulais prendre. Je sais pas. On va voir la porte. Ouvrons. Il y a quelqu'un? Oui, non. Ah, il y a ceux que j'aime pas. Oh, ils sont trop moches. Ah, il m'a touché. Oh, non! Non, non, non. J'avais pas vu qu'ils étaient deux. J'avais pas vu qu'ils étaient deux. Et toutes mes âmes sont super loin, du On va coup. voir ce que c'est que cette histoire de pierre de sceau. Il y avait un autre truc. What? Qu'est-ce que j'ai fait? What? Je suis tombé, je suis tombé. Oh! Ok, donc ça débloque des espèces de features spéciales, tout ça. Ce qui fait que maintenant, par exemple, on a beaucoup plus de lumière. D'accord. Il y a notamment plein de trucs que j'avais pas vu là. Ouais, si, mais ça doit être pour descendre. D'accord, mais c'est vachement cool. Il y en avait un au mur du premier donjon qu'on a fait. Est-ce que c'est inconsommable? Je ne vois plus de pierre, donc je pense que oui. Donc ok, c'est des trucs qui permettent d'activer des mécanismes, des choses comme ça. Très bien, il y a peut-être un trésor là-dedans. Oh la vache, est-ce qu'il y a un trésor dans cette satanée pièce? Mais ils sont deux, ils sont à l'entrée. Attends, on va checker comme ça. On va checker comme ça. Là, il y a le deuxième monstre. S'il y a un trésor, il est forcément dans le coin là-bas, parce que dans tout le reste, je vois rien. Je pense pas qu'il y ait de trésor. Entre nous, je pense pas qu'il y ait de trésor. Hop là, est-ce qu'il y a un truc là-dessus? Non. Ok, très bien. Où est-ce que je suis?
Là, il y a un mec. Y a un trésor à choper. Je peux y aller comme ça. Il est en mode. Ah non, la lumière! Là, ok. Ah, c'est juste trop bien ce mécanisme. Ah, ils sont plusieurs en plus. Génial. On va se dépêcher. Fiche humaine, gemme de vie. Je pense que le mécanisme va pas prendre forme, mais là il commence à oser sortir. Ça, c'est pas bien. Bah, dégage. Casse-toi. Je t'aime pas, t'es pas mon ami. Ah, c'est ça. Retourne. D'où tu viens, créature. Ah oui, c'est un ennemi bel et bien vivant. Waouh! C'est une embuscade complète. C'est bon. Je vais l'atteindre. Ok. Mais t'es quoi, caché dans un pot? Ah non, il est là. Genre, qu'est-ce que tu fais ici? Enfin, dégage. C'est genre, bah non, enfin, je suis désolé, mais je peux pas te laisser faire ça. Là, il y a un chemin qui amène ici, un chemin qui amène là. Donc là, le chemin qui amène là-bas, c'est pour aller sur le bateau. Et là, on a, je pense que c'est un PNJ. Il a pas l'air, enfin, il a l'air relativement sage et non hostile. J'aimerais éviter de mourir. J'ai beaucoup d'âme sur moi. I see light, but it remains dim. I am Carillion, and I've no interest in the magic impaired. D'accord. Le mec à qui on va jeter des sorts, quoi. I see you. I am. Ok, donc j'imagine qu'il faut que je sois apte à pratiquer la magie pour être digne de parler à cette personne. Ça s'active pas apparemment. Et ça se pète pas non plus. Donc ça n'a pas grand intérêt. J'hésite à rentrer dans le bateau. Au lieu de retourner au feu. Pour utiliser mes 12 000 âmes. Mais je ne sais pas. Comment est-ce que je. Si je suis obligé de faire tout le tour, ça va m'embêter un peu. Je sais pas s'il faut que je refasse tout le tour à chaque fois. Je ne sais pas du tout. Faiblesse, appâter la cible. Parce que ouais, là, il n'y a aucun lien avec... avec la zone du feu. J'aimerais inspecter. C'est pas rien, on va voir s'il y a un feu sur le bateau. Non, il y a des ennemis sur le bateau. Oh, il y a 1 million d'ennemis sur le bateau. Ok, très bien. Très bien, très bien. Évitez de mourir inutilement. Faut pas que je meure là. Ok, un moins. Deux en moins. Ça c'est bon. Ça c'est bon pour le moral. Ensuite. Messieurs, dames. Messieurs, dames, les archers d'élite. Ok. On se protège de ce côté-là maintenant. Toup, 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 toup. Ok. Je suis un maître. Un capitaine du bateau pirate. Je ne vois rien. Du tout. Peut-être dans la. Dans la chambre du capitaine, il y a un feu.
Je suis censé utiliser ce bateau ou... Parce qu'il est super stylé, je l'ai fait venir et tout, mais... Mais bon. Ok. Ah, j'ai pas la foi là. Oh! Chouette, hein. Un brouillard. J'y crois moyen. J'y crois moyen. J'ai deux. J'ai trois options. Soit je vais dans le brouillard et adviendra que pourra. Soit je retourne au feu et j'essaie de revenir ici. Soit j'utilise une humanité pour essayer de trouver un message allié. Et ensuite je vais faire le boss. On va retourner au feu. Je suis pas pressé. Je suis pas pressé du tout. Et en plus des âmes du parcours, que elles, pour le coup, je m'en fiche, parce qu'à chaque fois que je refais le parcours, de toute façon, il faudra quand même que je prenne le risque de les perdre. J'avais quand même 8000 âmes sur le côté. Il me semble. Donc, est-ce que j'ai un os du retour? Voilà. Parfait, ça. Hop là. Une effigie de loupée. En même temps, c'est pas un boss. Hein. C'est un boss! C'est juste que j'ai pas trouvé de message. Ok, pas très bien. Oula, on va faire gaffe parce que du coup, lui, il a deux côtés. Récupérer. Ah! Ah, j'ai eu beaucoup trop mal pour rien là. Beaucoup trop pour rien. Soin. Ok, ok, ok. Ah non, 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 non. Ok. Fais attention, fais attention. Ok. Je suis pas spécialement bien là, mais... Mais ça va. Ça vaut le coup qu'on s'éloigne un peu celui-là pour le coup. Beaucoup plus simple à esquiver. Et suffisamment lent pour que je puisse me rapprocher et lui donner un coup. Je préfère ce côté-là. Il fait mal, mais il n'a pas le côté saignement. Et en plus de ça... Il est suffisamment lent pour que je puisse agir. Ça va pour le moment, ça va. Ça c'est un coup rapide, ça c'est un coup rapide. Ok, coulant. Allez, allez. Ah. Si, il a quand même le truc du saignement lui. J'ai rien dit. Mais il est lent, ça c'est bien. Ok. Ok, super, super. Bon, bah on n'aura pas réussi à avoir un allié, mais... Mais bon. Je pense qu'il y a le même système de... d'alliés que dans le 1. Enfin... Du moins, à moins que ce soit genre juste la personne là, il faut aller la voir dans la ville ou un truc comme ça. Ah ok, d'accord, nouveau coup. Pas pressé. Prochain coup, je peux tenter deux. Voilà. Tranquille, tranquille. Juste un passage où c'était un peu olé olé, mais globalement, ça va à l'âme de la sentinelle. On doit y en route. Très bien. Tac 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 tac.
Faire attention à pas mourir maintenant. Ce serait dommage. Flamme de pyromancie, boule de feu. Ah, d'accord, ça c'est le machin qui va me permettre de lancer des sorts. Sauf que j'imagine que ça demande des compétences. Alors ça en l'occurrence, ça me demande rien. Par contre, le sort de boule de feu. Ça m'étonne pas que ça me demanderait des trucs. Ah, et je peux revoir peut-être le magicien pour le coup maintenant que j'ai la flamme de pyromancie. Pyromancie. Non, ça demande rien ça. Du coup, j'ai envie de dire pourquoi se priver. En plus, ça pèse rien. Genre, c'est gratuit quoi. Par contre, il faut que j'aille un feu, je crois, pour placer un sort. Donc, je vais juste voir. Il y a un drôle d'objet ici, attends. Examiner. Ok, j'aurais peut-être pas dû faire ça avant d'aller voir le magicien. Bon, bah. J'irai voir le magicien en revenant dans les lieux. Vu qu'apparemment je suis parti. Vers un lieu qui a l'air bien nocturne aussi, hein. La lumière là-bas, elle me fait un peu penser aux ruines de la nouvelle Londo, pour le coup. Y aura-t-il des fantômes? J'aime pas les fantômes. Ouais. J'aimerais un feu, par contre, s'il vous plaît. Bord droit devant, oui. Bon, oui. Faut pas aller dans l'eau, quoi. Attention, témérité. Louer ce soleil. Tâche de sang. Là, je vois rien. J'aimerais un feu. Parce que j'ai quand même 20 000 âmes sur moi. Et le feu est très loin, faut prendre le bateau, tout ça. Essayez saut et donc trésor droit devant. Non. Juste non. Pourquoi ce serait un saut et pas une roulade? L'arme pour victoire, mais très cher. Bon, faisons attention. Faisons attention, là, on a beaucoup à perdre. Je pourrais utiliser un os du retour en même temps. Faut que je fasse tout le chemin vers le bateau. J'ai pas vraiment envie de refaire tout le chemin vers le bateau. Ok, cette pièce a l'air pas mal. Cette pièce a l'air dépourvue de danger. Prenons l'ascenseur. Vers le haut, vers le bas. Vers le haut. Ok, là il y a un truc, je sais pas du tout comment faire pour l'avoir, déjà. Feu quelque part. Ok, en fait c'est une prison. Visiblement, il semblerait que nous soyons en présence d'une prison. Faire attention à inspecter les cellules. C'est un endroit rêvé pour caser des petits trucs à récupérer ou des ennemis. La forteresse oubliée. Ok, si tu veux. Ah. Ah. Ne lâche rien. Ah, apparemment on peut rentrer dedans. Bon, très bien. J'imagine qu'il va peut-être la péter comme les gens derrière. Femme droit devant ou squelette? Ah, j'ai peur de la rébellion là, en mode ils sortent tous de leur cellule et ils sont sur le point de me tuer et tout. Découverte incroyable droit devant. Le plafond a l'air ok. Squelette, squelette. Un fruit commun. Qu'est-ce que c'est que ça? Je regarderai ça après. J'ai beaucoup de choses à regarder après. On va avoir une grosse pause item là après. Hein, je pense. J'ai vraiment peur qu'ils sortent tous des trucs. Feu. Feu, 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 feu. Feu, parfait. Ils peuvent tous sortir des trucs, j'en ai rien à battre. J'en ai strictement rien à battre. On a un feu. Je peux placer un sort, pas assez d'emplacement de sort. Ah oui, d'accord, donc faut quand même mettre des points pour pouvoir mettre ne serait-ce qu'un sort. Point que je ne mettrai pas avant longtemps. Je tiens.